Les amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis très occupé, mais je me suis quand même arrêté pour faire très vite, pour ne pas couper notre série, pour ne pas l'interrompre. Le message d'aujourd'hui est très simple. Finissez ce que vous avez commencé. Peu importe ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez depuis un temps pris du temps de réfléchir. Et vous avez pris des décisions très importantes pour votre vie. Vous avez compris qu'il vous faut prendre une direction et vous avez commencé à prendre cette direction. Mais quand tenu des circonstances, vous êtes décidé de vous arrêter. Et vous êtes peut-être découragé. Aujourd'hui, je vous demande, finissez ce que vous avez commencé. Ne laissez pas à mi-chemin un travail accompli qui pourrait vous propulser à des niveaux où vous n'avez jamais été dans le passé. Dans la vie, rien ne vient facilement. Toutes les bonnes choses sont toujours soumises au soubresaut. Il arrivera toujours un moment difficile ou un moment qui risque de vous faire abandonner. N'abandonnez pas. Pensez à une maman enceinte, une dame qui, après 9 mois de travail, arrive au point final. Mais au moment opportun, au moment donné, elle se décide de bloquer ses jambes ou de serrer ses jambes. Qu'est-ce qui arriverait? Parce qu'elle a trop mal. J'ai trop mal, ça ne peut pas sortir, alors je vais bloquer mes jambes. Qu'est-ce qui arriverait? Elle perdrait pas seulement l'enfant, mais l'effort qu'elle a consenti, les sacrifices qu'elle a fournis, tous les efforts de la famille, les attentes, les dépenses, les peines, les douleurs, les malaises seront partis en vain, n'est-ce pas? Alors finissez ce que vous avez commencé. Changez d'environnement s'il le faut, mais finissez ce que vous avez commencé. On essaiera de faire très vite en quelques éléments. 2. Ne vous excusez pas. Ne regrettez pas votre haut standard. Ceux qui veulent de vous dans leur vie s'ajusteront à votre standard. La plupart des gens voudront vous faire passer pour un orgueilleux, pour un prétentieux, parce que vous connaissez votre niveau. Vous allez dans la vie, vous rencontrez beaucoup de personnes qui veulent vous tirer à un niveau que vous avez longtemps dépassé. Et quand vous refusez de jouer à ce jeu, quand vous refusez de patauger dans cette boue, on vous traite d'orgueilleux, des prétentieux ou de parvenus. Ne vous excusez pas. Ne regrettez pas votre haut standard. Vous savez, vous l'avez certainement déjà expérimenté si vous êtes une femme. Vous passez dans les rues et vous rencontrez des gens. Un homme qui vous dit « Excusez-moi, tantine. Excusez-moi. Pardon, excusez. » Et vous regardez la personne, vous sentez que vous n'avez pas du temps à perdre. Et vous passez. 2 choses se passent généralement. La première, si c'est une personne de classe, elle va se taire et partir, sans rien dire. S'il fait partie de la majorité associée à la bassesse, qu'est-ce qui se passera? Il dira « Ah, quand on t'appelle, tu refuses. Tu penses que tu es qui? La reine Elisabeth, quoi? Ou Santa Barbara ?» Elle fera un commentaire négatif pour vous faire passer pour une prétentieuse, pour une orgueilleuse. D'ailleurs, tu n'aimes même pas tout ça. Tu penses que quoi? Quelle est la réalité qui s'est passée? Et ils iront même propager la nouvelle disant que vous êtes quelqu'un de prétentieux, d'orgueilleux, d'irrespectueux. La profondeur est celle-ci. Ce n'est pas que vous êtes orgueilleux. Le problème est que vous ne lui avez pas accordé le temps dans sa bêtise. Alors là, il vous a traité d'orgueilleux. On vous traite d'orgueilleux seulement espérant vous faire baisser de standard. Même vos copines viendront vous dire à toi aussi, tu attends quoi? Tu penses que tu veux quel genre de personne dans la vie? Tu veux quel genre d'homme dans la vie? Il faut baisser le standard, tout ça là, c'est dans les films. C'est dans les films pour elles. La réalité est celle-ci. On veut que tu baisses ton standard, ton niveau, ton calibre, pour accommoder des gens qui ne méritent même pas ton temps peut-être. Ne vous excusez pas pour votre standard. Vous avez une classe, il y a des choses que vous ne faites plus dans la vie, c'est normal. On ne peut pas rester la même chose du 1er au 31. On ne peut pas rester le même individu, la même personne de 20 ans à 35 ans. Ça ne se fait pas. Ne vous excusez pas, ne regrettez pas votre haut standard. S'ils veulent de vous, quelle qu'en soit la situation, en amitié, en correspondance, ils élèveront leur standard à votre niveau. S'ils veulent de vous dans leur entreprise, s'ils veulent de vous dans leur association, ils s'accommoderont de sorte à ce que vous trouviez votre place en accord avec votre standard. Regardez, les gens viendront dans votre vie, des gens surtout que vous avez connus dans le passé. Vous avez pataugé dans la boue quand vous étiez petit, mais chacun a évolué de sa façon. Vous avez acquis de la connaissance d'une façon et ils ont acquis leur connaissance de leur façon. Mais ne soyez pas surpris de voir ces personnes vouloir vous faire faire des choses que vous ne ferez pas dans la vie. Et quand vous refusez la bêtise, l'idiotie, l'embarras, la bassesse, l'abrutissement, on vous traite d'orgueil. Ah, lui, il a changé, il pense qu'il est devenu quoi. Ah, lui, depuis qu'il est comme ça, il a l'argent, il pense que nous, on est quoi. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez votre réalité qu'il faut respecter. Et oui, vous pouvez avoir des amis, des bons amis. Vous êtes très bons amis, mais vous avez différents standards. Votre amitié reste intacte, mais vos standards sont différents. Vous pouvez le laisser toucher à votre amitié, mais ne le laissez pas toucher à votre standard. Le fait qu'il veuille accepter quoi que ce soit, telle ou telle chose, ne veut pas dire que puisque vous êtes amis, il faudrait aussi que vous acceptiez ce qu'eux accepteraient. L'amitié reste intacte, mais chacun vit sa vie, chacun sa direction, chacun a des choses qu'il accepterait et des choses qu'il n'accepterait pas. Écoutez, on peut inviter 2 musiciens à chanter sur le même plateau, le même podium. 2 personnes, 2 speakers, 2 orateurs à parler sur le même stage, mais ils n'auront pas nécessairement la même paye.
Parce que chacun a son standard. Même l'organisateur sait que chacun son degré, chacun son calibre. 3. Les moments difficiles de la vie, quelle qu'en soit leur nature, ça passe. Ça finit par passer. Quelle qu'en soit la lourdeur, les difficultés, l'embarras, l'humiliation, la perte, le manque d'argent, les difficultés, la trahison, la douleur, ça finit par partir. Écoutez, j'ai passé des années à pleurer pour une histoire que je pensais inébranlable, invulnérable, inchangeable, irréversible. Ça finit par passer. Ça fait partie de la vie. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Si vous pleurez encore pour une perte, vos parents sont décédés, votre emploi est parti, c'est dur, c'est difficile. Votre moyen de revenu a été bloqué dans ces circonstances dans lesquelles nous vivons. C'est très difficile. Mais comprenez une chose, ça finit par passer. Quelle qu'en soit la longueur, quelle qu'en soit la teneur, le moment arrivera où ça passera. Reprenez-vous. Prenez courage. Pleurez s'il le faut. Souffrez si c'est nécessaire. Mais à un moment donné, il faut se lever. Chaque difficulté nous présente une nouvelle opportunité. Même votre divorce n'est pas la fin de votre vie. C'est une leçon que vous apprenez de la vie. La vie vous apprend une leçon. Qu'on peut vous aimer et ne plus vous aimer. C'est dur à accepter. C'est compliqué. Surtout qu'on y a investi toute sa vie, toute sa force, tout ce qu'on a, son âme, sa conscience. Ça passera. La douleur s'apaisera. Les opportunités se représenteront. La vie continue. Un mauvais chapitre de votre vie ne veut pas dire que le livre de votre vie est fini. Croyez-moi, ça va passer. Le chapitre prendra fin. Il y a un début et une fin à toute chose. Prenez courage. Lisez le chapitre. Si vous ne l'avez pas encore fini, finissez-le. Passez à autre chose. Un nouveau chapitre commence. Un nouveau jour se lève. Les nouvelles opportunités se présentent. Un nouveau vent arrive. Tenez bon. 4. La vie n'est pas une question de découvrir qui vous êtes. Parce que beaucoup de gens disent « Je veux découvrir qui je suis. Je veux permettre à la vie de me montrer ce que je représente. » La vie est une question de fabriquer ce que vous serez pour le reste de votre vie. Ça, c'est votre responsabilité. Écoutez, vous n'êtes pas docteur si vous êtes docteur par hasard. Ce n'est pas le fruit des hasards. Vous avez fourni des efforts, vous avez étudié longuement, des nuits blanches pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas ingénieur par hasard. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est vous qui fabriquez ce que vous êtes. Vous êtes le potier, l'artiste, le travailleur. Vous commencerez peut-être comme chenille et avec le temps devenez papillon. C'est vous qui faites le travail. Vous ne découvrez pas ce que vous êtes. Vous réalisez un œuvre d'art en devenant ce que vous deviendrez pour le reste de votre vie. Alors n'arrêtez pas d'apprendre. N'arrêtez pas à acquérir de la connaissance. N'arrêtez pas à vous multiplier, à augmenter vos capacités. Le monde change chaque jour. Et pendant que le monde change, les choses changent avec. Ce que vous recevez aujourd'hui comme salaire, écoutez-moi très bien, a tout à voir avec votre connaissance, votre niveau de connaissance sur le plan financier. Vous pouvez avoir toute la connaissance technique de votre emploi. Si vous n'avez pas de connaissances économiques qui correspondent à l'argent ou aux moyens que vous cherchez dans la vie, vous pouvez oublier tout ça. Ça reste des rêves. Ne vous arrêtez pas d'apprendre. Ouvrez un livre chaque jour. Une heure du temps de jour. 20 pages si vous préférez. Ça sera déjà un très bon début. Multipliez votre connaissance. Vous êtes le potier. C'est vous le travailleur. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. C'est vrai que le Créateur lui-même, Dieu, nous accorde sa grâce dans beaucoup de choses. Mais Dieu nous bénit en accord avec nos compétences. Dieu nous bénit en accord avec ce que nous avons. Pour les chrétiens, quand les gens sont venus demander de la bouffe à Jésus, ils ont dit « Maître, nous avons faim, on veut manger. » Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa réponse? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Il aurait bien pu dire « Ok, fermez les yeux, on va prier comme ça, l'argent et la nourriture va tomber du ciel. » Il n'a pas fait ça. Il a demandé « Qu'est-ce que vous avez ?» C'est-à-dire, ce que vous avez sera multiplié en accord avec ce que vous pensez. On a pris le pain et les poissons. On a prié pour le pain et les poissons qu'ils avaient. C'est le pain et le poisson qui sont multipliés. Qu'est-ce que vous avez? Vous cherchez ce que vous cherchez dans la vie. C'est sur base de quoi? Ça ne peut pas être sur base du vide. Enseignez-vous chaque jour. Apprenez quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de vous excuser si vous êtes en mariage et ça ne fonctionne pas. Trouvez des nouveaux moyens de demander pardon. Une nouvelle façon de développer vos capacités. Une nouvelle façon de faire de nouvelles amitiés, de nouvelles correspondances, afin de pouvoir évoluer dans votre secteur. On ne peut pas rester ce qu'on a toujours été toute sa vie. Quelle perte! Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Toujours un réel plaisir, très occupé pour le moment, mais je fournis l'effort nécessaire pour ne pas casser notre série. Je sais que beaucoup de personnes m'attendent, beaucoup de personnes nous suivent, et c'est vraiment gracieux. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe.
J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.